Salut à tous. D'habitude les vlogs ça commence le matin, mais là du coup on est obligé de partir en fin d'après-midi. Il est 17h30 d'ailleurs, il fait quasiment nuit déjà. Donc on va partir cette fois en camion aménagé. Donc on a chargé tous les vélos déjà, tout est prêt. Et on va partir du coup cette fois pas sur une coupe de France, mais on va partir à deux avec ma copine sur une coupe d'Espagne. Et donc là il y a nos deux vélos de compète, ça c'est nos deux mulets. Et on va pouvoir y aller hein. Là on vient juste de partir, oh, il fait déjà nuit, c'est une galère. Enfin bref, d'ailleurs on a le pare-brise éclaté à cause des gamins qui habitent juste à côté, qui nous ont balancé une pierre sur le pare-brise. Donc du coup on s'est fait éclater le pare-brise hier. Donc pour réparer en une journée un camion comme ça, bah, c'était mort quoi. Donc on a un méga impact, c'est un plaisir. Alors moi je vois pas du tout comme lui, je vois clairement flou. Voilà, c'est super. Allez, 22h du coup, là c'est la première pause on va dire. On vient juste de faire le plein. Enfin, le petit plein parce qu'en Espagne l'essence elle est moins chère, on peut se faire niquer. On est à 1 heure de la frontière et ça vient de se décoller. Les gars. Il y a enfin le panneau. Il y a enfin le panneau de là où on va arriver. Il est 3 heures passées de beaucoup de minutes. Hop. On vient d'arriver là sur le circuit. En vrai, ça a l'air d'être un putain de chantier. On va passer sur la ligne d'arrivée, je crois que c'est vers là. Du coup, on vient de s'installer. On a déjà dégueulassé le camion. Tac, et on est à 2 pas du circuit. Je sais pas si on voit. Le circuit est juste là. C'est 5h du mat, c'est bon, on a tout installé. On est bon pour dormir. Tac. Au dodo. Allez, bonne nuit. Et voilà, on a dormi un peu. Il est 9h30 du coup, on a dormi 4h. Là, on va aller chercher les accréditations, les dossards et tout. Et ensuite, Rocco. Allez, on part aux inscriptions. Putain, les mecs, ils sont tous à pied. C'est pas du cyclocross aujourd'hui, les gars, c'est de la course à pied. Poste de dépannage de professionnels. C'est une coupe du monde, le bordel. La Copa de España. Oh, la passerelle. Bon, on trouvait pas les accréditations, du coup, on a demandé à Royal Bike Shop. Un mec qui savait mieux parler espagnol que nous. On a tout. Bucatoinda Master Barrodei. Categoria con la cerqueta. Elle part derrière les gars. Venga. Ils disent tout ça de toute façon. Venga. Là c'est les dames master, tout soit ça part en même temps. Je crois qu'elle c'est la championne d'Espagne. Campeona d'Espagne. Notre petit camion. Allez, on va s'habiller pour faire les rocos. Voilà, en même temps qu'on mange, hop. Bah regardez. Il y a les premiers. Oh bah il est deuxième le mec. Ah bah voilà. Romain. Allez Romain. Voilà. Putain, c'est le départ là du coup des juniors. Et après, ben après cette course, Rocco pour moi. C'est la préparation des vélos. Et là, il va partir en Rocco. En pleine Rocco. Putain, derrière. Gros bourbier. J'ai fait 300 mètres du circuit. Je suis à pied tout le long. C'est hyper collant, c'est devenu sec. Du coup, je viens de laver mon vélo. Là, c'est la course des élites femmes. Mais c'est un délire. Je sais pas si on voit, mais c'est bondé de bouillasse. C'est une galère. On marque en plein échauffement de la course à pied qui l'attend. Plusieurs allers-retours en courant. Allez, on va sur le départ avec ma mécanicienne et les vélos.
mejor dorsales ya. Landerluf, el belga. Más de 100 corredores. Voilà l'état de son vélo. J'attends pour le poste, pour le nettoyer. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je sais pas combien j'ai fait, j'ai eu un petit souci sur la fin, j'étais vers les 25, je dois faire 30 à peu près. Je me suis pas pris les 80%, justement arrêté au dernier tour avant la fin, pour que l'organisation ne dure pas 1000 ans. Là, je suis en train de ramener le vélo qui n'a pas été utilisé. Ma mécanicienne, elle me lave mes vélos. Et ensuite, on va sur le deuxième site pour demain. Avant, je vais prendre une douche quand même. Voilà, maintenant, on nettoie le matériel. Avec le jet. Du van. Bon, sinon, des nouvelles de notre pare-brise. Ça a beaucoup condensé cette nuit. Donc, il y a quasiment tout le film qui s'est décollé. On va en remettre. Du coup, c'est bon. On a refait une réparation. Au moins, on est sûr que ça tiendra la nuit. Et là, du coup, on va plier le toit. Et après, on file à 40. 40. 40. On vient d'arriver à Carranza pour jour 2. Donc on fait de l'ébli pour ce soir. Et encore une fois, regardez, je sais pas si on voit bien. Putain, on voit que dalle. On est sur le circuit. C'est même pas encore 21h, on est déjà au lit. En vrai, on est éclaté, mais bon. Là, on va se lever, on va déjeuner, faire les rocos. Et ensuite, ça sera quasiment l'heure de la course. Entre temps, il faudra qu'on mange. On profite encore un tout petit peu du chaud. L'intérieur du camion, on regarde en même temps la course des masters. Et après, Rocco et puis... Bon, on va partir pour les Rocco là. Yes. Il fait moins 8000 aujourd'hui. Hier, il faisait soleil et tout, aujourd'hui... On va encore courir aujourd'hui. Allez, la roule, va. Passe à l'extérieur. Bon, c'est encore bien gras, mais ça a l'air de passer en vélo cette fois. Faut couper. Il y a un pump track au milieu du circuit. Obligé, on fait un tour. Youhou! On a eu les accréditations pour aujourd'hui. On a encore parlé en espagnol comme des chèvres. Allez, c'est l'heure du repas. Avec la course des cadets en même temps. Là, du coup, c'est bientôt le départ de Margot. Elle est en train de se chauffer là. Allez Margot, allez. C'est bon, je suis au poste de dépannage, il y a Margot qui va pas tarder. Je suis là avec les trois vélos. Allez Margot, allez. Allez Miss Tinguette, allez. Ouh là là, c'est dur la descente, celle-là, elle a galéré à la Rocco. Allez Margot! Allez Margot, allez. Il arrive, il a passé. Il passe dans la descente. Donc je viens de finir ma course là, je vais laver les vélos et on va rentrer au camion. Il commence à faire froid là du coup. On est en train de finir de ranger les vélos. Tac, c'est le dernier vélo. Des nouvelles de notre pare-brise. Il commence un peu à condenser. Mais ça tient. Ça tient. Alors petit débrief, donc là on est en train de rentrer. Donc je finis 57. La route elle est éclatée. Oui. Donc je finis 57 de ma course. Donc ça s'est bien passé. J'ai fait pas mal de glissades, mais c'était bien amusant dans la course. Et toi Romain? Je fais 30e, oui. Je trouvais que j'étais mieux qu'hier, mais j'ai fait une moins bonne place. Bon.
Voilà, et puis là on est en train de rentrer, vu que c'est tard, on va s'arrêter sur le trajet. Et puis voilà. Ouais, en fait ça secoue énormément parce que tout le trajet entre Yaido et Carranza, eh ben c'est en travaux, alors la route elle est éclatée, ça secoue de partout. C'est un plaisir. Voir petit bout de plastique qui est en train de fuir petit à petit. Dinguerie. Et notre truc s'est enlevé totalement. Voilà. Et il est par terre ici. Ahí es el estadio de Atlético Bilbao. On sort de Bilbao. San Sebastián. Voilà, devant la mairie, dans un petit village juste à côté de Pau, pour passer la soirée. Et je vous dis pas ce qu'on mange parce que sinon je vais encore me faire tuer par l'entraîneur. Du coup, ce soir, c'est pommes de terre. À peu près. Hop, on a bien mangé là. On est dans le lit pour la dernière nuit à Pau, Pau, Pau. Allez, 7h30. Dernier jour du retour. On va se lever, déjeuner et après on file. Et voilà, c'est bon, on a tout rangé, on a déjeuné. On file. Voilà, super. Ça va, le pare-brise, il tient en vrai. Ouais, tiens, nickel. Et voilà les bouchons. Super. Hop, le repas du midi. Attention, exceptionnellement, c'est madame qui conduit. Pour vous donner des informations sur le pare-brise. Ça va plus trop là, il va nous tomber dessus. Voilà, du coup c'est terminé. On va finir de décharger les vélos qui sont bien sales encore. Je vais les laver. On va les nettoyer et puis voilà, c'est fini pour cette fois. Bon, il n'y avait pas toute la team de la Coupe de France parce que voilà, on est partis que tous les deux. Mais le week-end prochain, Coupe de France.